Compatriotes Haïti Media on yo nèg belè ki gen zam nan men yo yo kanpe sou brinzeng yo. Yo fè comprendre avec ti monsieur Genef yo wayan nan zafè territoire, c'est terrain nèg sa ou même y ap valé. Pendant ce temps, la police nan commune Kwadebouke yo arrivé maré koukrab a hier samedi 4 septembre lan 10 toro ki affecté an dan base 400 Marozo ke nou konnen base si la k ap fè et de fè nan commune nan. Mbral ba nou detay yo, mbral expliquer nou a clair, mais si ki est important, il faut que ou d'accord abonné avec channel YouTube Haïti Media on lan. L'on fait ça, ou ap permet channel la avanse pou pi douvan et ou même ou ap rete pi près information yo. Yon gros salutation avec tout zanmi, tout fanatique Haïti Media on ki d'accord pran ti tan sa pou koute voix information an pendant moi-même m'ap souhaite nou yon bon dimanche. Si ou pa avec, sou kapab rive constater même jan avèm ke nan moment sa li pa lòt ke monsieur bandi yo ka fè actualité nan pays d'Haïti ou met konnen ou li nan gros livre la tout. Parce que m'pa bon menti pou fason mwen insécurité nan pays d'Haïti on konnen nou gon force légale la via avec la police qui la pou mete l'ordre dans des ordres. M'presque senti c'est temps pou non compétition, la police a li même li te participé et puis li éliminé et puis sortant de ya la moun ki rete en dan compétition yo li pa l'autre ke messe bandi sa yo kap fè et de fè nan communauté haïtienne. Et ceci le pays est totalement gangsterisé jan en pile nan nou kapab wèl depuis yon bon bout de temps, depuis yon paquet l'année. Bagay yo vraiment drôle, mais fòm di nou n'ap rappelé sou réseaux sociaux yo nou te gen chance wè messe belè ki gen bezam nan men yo kap goumé en face ti messe Genef yo après la police te fin eten souf Manino nan Delma 75 nan Ricatalpa. Nou te wè façon nèg yo tap piafé, façon yo tap bolosé, façon ke yo te content le fait que Manino li pa la encore ki se youn nan nèg Everplay ki pa manje anyen ki fret nan base craché di fè ki nan ri Saint Martin. Et mes amis ta Haïti Media on yo an dan même vidéo sa nou te tande youn nan chef yo soi-disant ki t'a parlé pour faire comprendre nan jou kap vini la yo la pran tête barbecue, la pran tête ti junior parce que nèg sa okay ou sou biscuit youn nan yo comprendre nan pi méchant yo la police bwel. Par contre si me comprendre ça m'a dit là, ça t'a dit nèg ki pote non barbecue a nèg bel ou pral attaquer jusqu'à ce que yo fè finish lan avec li. Et bien m'm di nou nou konnen nan moment là Jimmy Cherizier et que e barbecue nèg Genef mwen youn mwen tout là ça préoccupé les mais ça préoccupé louel déjà en bas la ville là li sorti avec l'ennemi et a tiré tribord et pas bon il a mandé départ Ariel Henry qui était gain non le cité dans affaire et crime yo te fait sous ancien président et en même temps barbecue a forcé pour loué comment ancien président Jovenel Moïse li capable joindre justice nan façon pas prend la rue tirer bal tribord et pas bon fait ti machin cap dégager en bas la ville là rentrer reprendre en bas table côté commerce exposé. Mes amis bagarre là vraiment drôle, mais faut me dit nous pendant Jimmy Cherizier lui même li blier s'il gagne un ennemi farouche qui porter non nèg belè. Et bien nèg belè eux même il y a travail en silence, il y a chercher stratégie là. Et bien selon information que me gagne là puisque nous connaît dans rue Saint c'est là nèg craché di fè capable parler pi bien français comprendre yo siégé et là que yo yé. Mes amis ta Haïti Media on yo nan moment m'a parlé avec nous là nèg belè yo prend yon ti cal nan ri Saint Martin et au fin prend yo tout barricadé le comprendre yo tout trempé le comme ça me relè moi même parce que dès pour al mettre pi yo là sans permission yo ou prend en trempé donc yo trempé zone là. Est-ce que comprendre bien ça m'a dit a nèg yo gen temps prend yo espace nan ri Saint Martin qui pour nèg qui pote non comprendre nèg qui nan base craché di fè yo bagay yo vraiment pile bagay yo vraiment drôle. Et fòm di zafè territoire sa n'ap gade sa k'ap pase Matisan la c'est youn nan zafè territoire ki la cause konnen gen sa éclaté. Et en même temps même lèm fon ti ale nan zone Kwadebouke nèg ki pote non lanmò san joua nèg 400 Marozoa et ben misye li même li tellement senti li à l'aise nan commune Kwadebouke li vle rentrer nan commune Taba. Et ceci est tellement vrai nèg ki nan zone Edion bo ancien Belmat yo gen ta pote si a renfort dans zone Soisson mountain bien nous bien zone ça nous comprendre sous saute et Port-au-Prince mais sous saute Haïti longtemps ou cap à songer mais toute zone ça là nèg qui pote nous l'amour sans joie nèg 400 Marozoa li gon paquet annexe 400 Marozoa dans zone si là yo. Et ceci monsieur prend vle prend clair signe dans pour linette et en même temps li vle rentrer grand griffe li dans quoi des missions mais nous connaît dans quoi des missions gon petit tonton jeune garçon qui pote nous chien méchant monsieur gèle gen rage c'est une raison qui la
cause tout ça lui-même li poko capable rentrer dans quoi d'émission pour ta dit la prend zone ça quoi bien miné maman là avec papa vous comprenez à cause chez méchant monsieur lui-même dit pas bail nek pote dans lambo sans joie autorisation bagayo drôle lui tout ça déjà oui parfois là ils vont côté ou est gon checkpoint la police campé là et ben journée jodi a bagayo update reprendre dans mauvais manière parce que là comme côté kounia au lieu de la police qui t'a vinn checko mais c'est ti monsieur ça on comprend ça pat nan pio manche long basse nan kouyo c'est eux même qui oblige à faire check pour à garder nous songe policier blanc Daniel si même m'avait me défaut yo prend un rimakajoa il pas habillé non pas en fonction non pas pas prendre la travail non yo prend est-ce comprendre t'es dans marche non tibi sur al botil yo veut identifier yo est son policier puisque nous connaît malino tombé non façon nous comprendre et ben nek craché di fe yo blessé sans yo et you nan bagay qui vraiment important moi supposé signaler mais sous pas de connait moi supposé apprendre nous là pas oublier 400 maozo lycée allié avec nek belé parce que l'ambo sans jour selon information selon ti parole que monsieur t'a pété parler dans yon couloir puisque soi moi fait manger sweet que manger et moi préféré soi moi très fin et bien monsieur li pa vle wè towo ki pote non barbecue vous comprendre les révolutionnaires soi-disant bon cathédrale est-ce que nous comprenons zanmi Haiti media on yo parce que à n'importe quel moment là ou capable tande nek 400 maozo yo rive joine nek belé pour goumen en face ti monsieur Genef yo k'ap pran kou la pa bliye Mathias li pran bal Tyson li pèdi un paquet allié là suite avec affrontement yo te gen avec la police nan Kafoudouya nou pa ka bliye bagay sa yo et c'est ou nan bay la tout ki fait ti Gabriel li vle rentré sur nek Boston yo avec en pile force parce que c'est l'outil Gabriel nek ki rele Mathias al baka goumen là li yon ti jan en faiblesse bagay yo vraiment drôle bagay yo vraiment en pile zanmi tay Haiti media on yo et fòm dou yè samedi an bataille la police tap mené avec 400 maozo nan commune kwa de Boukeya li te vraiment paraît difficile pour la police mais fòm dou sa tout l'autant de nek yo ou konprann yo fè tête yo passer pour 400 maozo pe gen pense effectif la 400 livre non nego people toujours oui c'est nos 400 maozo ou te baite tu peut-être nan moment t'a commencé yo te vle gen 400 maozo mais nan moment là tellement gen maozo nan commune si là et m'dou ça déjà chargé annexe nan paquet commune là puis faut que tu passe ou tande ces 400 maozo et c'est nous comprendre bien ça m'a dit nous et l'autre bagay encore non maozo ça puis gars nous comprendre faire allusion avec moun qui pas connait cause jeune garçon pas connait cause à femme non puisque nous connaît pas boy si là kayan nous les yo dit que ça ou son maozo c'est-à-dire ou elle son femme ou par contre comment vous parler avec les pas ça non maozo pour nek ça yo nek ça pas gain problème femme mes chers amis est-ce que nous là et bien l'on parler des 400 maozo c'est tellement nèg yo beau sale tellement vous comprendre yo en bourre tout rani les âmes là nan mais yo pas connait maman yo pas connait papa yo seulement identifier maozo qui nan kan yo a vi sortant de ya y a simé bal sou moun triboy pa bon c'est ça oui maozo a et femme dou ayé nan opération ça la police t'a tenté mener nan commune quoi des bouquets a nèg qui nan remi fait un sel avec mouche 400 maozo a nèg lan sans joie sortant de ya bal a té vraiment réduit pour la police malgré ça yo font bel coup de filet même si yo ta 100,000 mais 10 ça que la police pour malgré mon yo capable vous comprendre yo capable remplacer immédiat oui mais forme dou ça zanmi Haiti media on yo la police arrivé arrêté 10 nanto sa yo qui fait partie des 400 maozo et en même temps la police arrivé saisi en pile les véhicules yo saisi téléphone yo bon paquet cartouche divers armes comprendre divers calibre et ben la police arrivé saisi nan moment opération ça mais malheureusement nan opération si là te gen yon policier qui blessé par balle nan pied nan moment échange de tir yo bagay yo vraiment drôle bagay yo vraiment en pile et m'a dit encore forme dit nous amis Haiti media on yo si l'état ça pas dit un mot puisque moi ouais yo pas vle lever pied yo mais ouais si yo pas traîner puis devant baga la pitrice ouais puis devant café a fin carré coulé avec ma parce que m'dou ça effectif que dans la police malgré pile moun pa aimer l'aime dit mais mes amis bandi yo puis bien informé que nous on pas penser ça ça m'bral dit à la bandi a te gen tan connait lui li connaît dans la police là nous gagnons effectif qui 8 en pile et pendant ce temps ou état major mettez avec l'autre pays qui partenaire yo pas vle augmenter ou prendre tarif qui gagne dans la police ça pendant ce temps bandi ça ou même dou ça journée jour dia m'a prédil et ça m'bral dit à son bagage qui osé sous ta mené propre petite enquête pa ou après pays d'Haïti gagne plus
gang que la police. Al bien ou après gen plus gang que policier. Ou met al men ti anket tout sa mdou la ou a joine comprendre preuve à l'appui et sa mdou debout ou comprendre ou ka mené anket la menel ou après sa mdou la si c'est pas une réalité qu'il y est et même au état major même autorité dans pays d'Haïti yo kon samedi là mais malheureusement nek sa au pays a pas intéressé yo d'ailleurs nous ça qui intéresse déjà c'est les affaires poste là qui intéressé yo parce que des devine joine li madame petite cousin moun ki proche maman papa yo prend tout yo pimpe yo dans un pays côté plus ou moins sécurité à la stable pour yo pas oublier avec Moenga Haïti gen deux produits gen zouti gen ban gen zouti a qui sont pomade qui fait avec environ 8 produits organiques qui permet ou augmenter tolpi nou comprendre allonger le ballon allongement de 3 à 5 cm sous bien massa il même ou fait ça régulièrement ou doit joindre résultat dans moins que 2 mois et en même temps gen ban qui sont comprimés qui fait avec 13 plantes naturelles qui permet ou augmenter libido et en même temps freiner sec conquépin tout bec à terre ou t'a souffri dans relation là depuis un bon bout de temps ou prend 3 comprimés chaque jour dans moins que 1 semaine ou si bosé gaya avec problème si là avec toute boudé madame ou te kon boudo à chaque fois ou mouté souvent tal est-ce que vous comprenez ça me dit 37 55 46 06 c'est numéro capable contacter Moenga Haïti si toutefois ou même ou intéressé avec produit lio et en même temps sous besoin placer commande et mander une information pas oublier application hein li pa gen l'autre nom l'hypoténose abdil c'est une application qui fait spécialement pour ou même qui nan a fait business ou même ou gon projet li kanyak ou pas capable mettre le sous pied à cause ou gon pan clientèle fin dans notre application ça jodi demain ou a bam résultat parce que ou va poster toute marchandise sur application ou après comment y a acheté ou nan mon et mal fait que pas ka détourner le ou a fois bien marché parce que yo pas konn formule lan avec application Zabdil ou pas fouti prend vie étape et pas oublier maman Pemba l'hypoténose M&M cosmétique c'est un magasin en ligne qui vend toute qualité produit cosmétique que mon a besoin et ceci yo vend en gros et forme d'où l'arrivée dans magasin si là pas de crème ou besoin pour passer sous peau pour faire corps belle coupable joindre en dans ça yo gen crème qui fait avec carotte yo gen turmeric yo gen toute bagarre qu'on doit gen besoin pour mettre un autre visage dans visage ou en anglais yo rele ça make-up est-ce que vous comprenez nous gen tout ça yo gen ti green nous comprendre pour passer dans visage ou pour rete tout petit pli nous gen produit tout pour passer dans bouche pour éviter le sèche pour éviter le pété nous tout ça déjà même ça fait mascarade oh pardon mascara pour passer dans jour et ben pour faire plume j'ai à camper couer poupée poupée francio nous gen tout ça oui M&M cosmétique et yon nan avantage ou ap jwi lò placé commande lò al acheter non seulement ou ap jwenn 10% rabais et semblerait-il que PDG M&M cosmétique là li pa konn kòb ou ap acheter pou un petit gap diamondé ou pral revendre ou ap fè voum kòbou ou pral itil fòmou et fòm di ou capable écri yo nan M&M cosmétique 21 à commercial@gmail.com ou bien rele yo tout sous 707 596 37 66 yo fè shipping tout côté nan États-Unis M&M cosmétique li sous Instagram li sous Facebook al suivi ou avez plus de détails et M&M cosmétique c'est le royaume de la beauté humaine ou pas de connaître permettre de saluer mes camarades de la promotion Jean-Claude Duvalier parce que aujourd'hui 30 août ça fait exactement 50 ans qu'on était rentré à l'académie militaire une pensée spéciale à ceux-là qui sont partis pour l'au-delà et bon courage à ceux-là qui sont encore sur le terrain je faisais encore bonne fête messieurs je faisais encore pipi au lit, évidemment. Il y a 50 ans. Ça fait 50 ans qu'on rentrait à l'académie militaire. Il y avait 20 ans. Donc. Et ce rappel-là traduit une certaine fierté de la part du colonel. Très certainement, mais ma pensée ce matin a été l'anticipation que l'État avait sur les espoirs et les orientations de la jeunesse. Par exemple, j'ai été détecté au lycée de Pétionville depuis l'âge de 12 ans parce qu'il y avait des soldats des casernes de Staline qu'on envoyait au lycée et qui participaient à la vie extrascolaire sur la formation civique. Il y avait des professeurs de dessin et le lycée Pétionville, c'est l'un des lycées qui a donné le plus d'artistes. C'est là que les frères des gens, le System Band, le Tabou Combo, tous ces groupes-là ont pris naissance. C'est à partir des leçons de musique qu'on donnait à la fanfare qui a été créée et qui accompagnait les citoyens de Pétionville tous les dimanches soirs dans des concerts sur la place Saint-Pierre. Mm-hmm. Et ça a été
cette formation diversifiée des jeunes qui a fini par donner des potentialités telles. Par exemple, moi, on m'a découvert, j'avais 12 ans, je commençais déjà à marcher au pas au lycée. Et ça a été, j'étais commandant de peloton à l'âge de 14 ans et au cours des parades du 18 mai, des fêtes nationales. Mmh. Et c'est là qu'on avait découvert certaines aptitudes mécaniques que j'avais pour l'art militaire. Donc un militaire né, un soldat né, on dirait quoi? C'est une conséquence de l'approche globale qu'on avait. Par exemple, moi personnellement, je n'aurais pas terminé mes études. Je n'aurais pas du tout terminé mes études si, arrivé en classe de 3e, on n'avait pas mis une cafétéria au lycée de Pétionville. Et cette initiative visait les enfants qui venaient des milieux reculés, mm-hmm. qui ne pouvaient pas rentrer chez eux à la mi-journée, parce qu'à cette époque, l'école c'était 8h, 11h, 2h, 4h. Mm-hmm. Donc des enfants comme moi qui venaient... Ça, j'en ai fait l'expérience. Voilà, qui venaient justement jusque de frères, n'avaient pas de quoi manger à la mi-journée. Mm-hmm. Donc l'État avait répertorié ces enfants-là qui venaient de Kinskoff. De frères de Pernier, et on avait organisé une cafétéria qui leur permettait d'avoir un repas chaud, assis à la fourchette avec tous les couverts, et une pensée spéciale pour cet homme extraordinaire, Max Carantave, qui a présidé à notre formation d'enfants, Jean-Joseph Perriel également, Maître Fritz Petit, tous partis pour l'au-delà, mais c'est ces hommes-là qui ont formé cette panoplie de jeunes et qui ont donné à la nation haïtienne les références que l'on a sur le plan musical, sur le plan artistique, et très certainement beaucoup d'ingénieurs, de médecins qui sont sortis du lycée de Pétionville. Vous avez, colonel, passé le plus clair de votre temps à prodiguer des conseils, à avertir, à prévenir, et apparemment, on ne vous a jamais suivi. C'est pourquoi les autorités vont très souvent droit au mur. Selon vous, colonel, est-ce qu'il y a lieu de faire une sorte de, je dirais, d'autocritique? Est-ce que les erreurs, d'ailleurs tout le monde en commet, est-ce que les erreurs commises au cours de votre passé, par exemple, sont les causes ou la cause fondamentale du non-respect ou encore du manque de suivi des conseils prodigués par le colonel Rébu? Bon, quand vous donnez des conseils, ça dépend de la qualité du terrain sur lequel ces conseils-là vont tomber. Ils sont toujours publics. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les gens ne savent pas ce que c'est qu'un militaire. En Haïti, on ne sait pas ce que c'est qu'un militaire. Assez souvent, quand nous faisons quelque chose qui n'est pas correct et que quelqu'un nous le dise, la première réaction humaine, compréhensible, c'est d'en être offusqué. Et justement, ce réflexe-là, surtout dans l'entourage des chefs, provoque une déviation, une déviance de l'idée fondamentale. Ah, monsieur, son fréquent, monsieur, comprenez qu'on est tout bagaille par ces personnes, etc. Et finalement, le message n'est pas capté. Ça glisse. C'est quand vous avez des doses de cana, des pas pénétrer. Et puis c'est quand ce que vous vouliez prévenir arrive, vous dites, ah oui, mais monsieur t'a dit ça. Mais il y a aussi un fond de déficit de savoir. Parce que quand vous recevez un message, pour le décoder, vous devez avoir une certaine, d'abord une capacité d'écoute, une certaine sagesse. Et la sagesse minimale en la matière, c'est de savoir que personne ne sait jamais tout. Donc, mm-hmm. Tout le monde a à apprendre quelque chose de quelqu'un d'autre. Et maintenant, il y a aussi recevoir le message. Mais la transformation de ce message en décision fait appel à un autre mécanisme, un autre processus, par exemple. Si vous prenez à travers tous les pays du monde, quand il y a catastrophe, la première entité qui arrive sur le terrain, ce sont les militaires. Ce n'est pas au hasard. Pourquoi? Parce que l'organisation spatiale des militaires, c'est un prépositionnement pour prévoir les problèmes, pour solutionner les problèmes à travers des mécanismes préétablis. C'est pour ce militaire, ce extraterrestre, il pourrait le faire de manière extraordinaire, non? Ces gens, premièrement la formation,
C'est-à-dire que c'est du monde qui préparé pour affronter de situations imprévisibles, catastrophiques. Yo préparé pour ça. C'est-à-dire que yo constaté, ok, pas de problème, grand tremblement de terre, grand caille qui tombe, etc. L'émotion qui vient avec le fait ne pénètre pas le militaire. Son premier réflexe, c'est qui ça m'a pour me faire. Et qui ça m'a pour me faire, je dis avec qui moun m'a pas le faire. Mais ce n'est pas pendant des désastre qu'il peut inventer moun qu'il peut agir sur eux. Moun ça a été là déjà. Yo te gen une habitude de vie dans tissu social là, yo te gen des références de communication, des références d'agir au quotidien qui pral permettre leur passer instruction pour eux une capacité pour recevoir l'ordre, pour décoder l'ordre là et pour réagir. Par exemple, leur pral réagir, c'est pas dans moment réaction pour chercher côté un camion yé, côté un moyen de déplacement yé, il était là déjà. Donc c'est ce prépositionnement qui permet une certaine agilité au niveau de l'acte et militaire. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas informés, qui ne savent pas ce que c'est et qui n'ont pas la formation. Et donc, il y a une mauvaise réception, un mauvais décodage. En matière politique, il y a beaucoup de gens qui arrivent à la politique, qui arrivent à la gestion d'un pays par accident. Il y a des gens qui vont gérer une boutique dans la vie et puis brusquement ils retrouvent une opposition côté à prendre des décisions pour l'État. Ce n'est pas normal. Résultat, on déjà connaît. Maintenant, leur parler avec ça, premier réflexe, les braquer. Les braquer parce qu'ils ignorent. Ils ne pas bien connaître de qui soit parlé. Ils ne pas capable de décoder. Et au lieu de dire pas comprendre, pour t'arrêter pour t'expliquer, ils ne disent pas monsieur son fréquent et puis il finit. Mais le fait qu'il dit monsieur son fréquent, ça va éliminer les problèmes, les conséquences qui peuvent gagner. Donc, et quand ceci est arrivé, c'est la deuxième fois qu'on a eu un tremblement de terre, j'ai entendu des choses extraordinaires. Par exemple, ok, béton a tombé sur le monde, on nous prend bois de pacate, on nous prend tol. On dit waouh. Donc, n'oubliez, tu as un cyclone Azel, tu as un cyclone Flora, côté feuille tol, tu as volé, coupé pour le monde, tué bête, etc. Donc, ça demande le réflexe humain normal au cœur du malheur, c'est totalement normal, mais le réflexe de la pensée constructive, c'est ça que fait pour venir en avant. Par exemple, aujourd'hui, et nous présentons nos sympathies à tous ceux-là qui ont été victimes dans le Grand Sud, qui sont aujourd'hui victimes de la lenteur, de la réaction, de l'appareil de l'État, qui pour moi est totalement normal. Pourquoi ? Par quel canal devrait-on faire passer les actions de l'État ? Ce n'est pas les structures qui existaient, qui existent. Les CASEC, les ASEC, les délégués de ville, ceux-là qui représentent l'État dans l'espace. Comment peux-tu comprendre que 12 mounes, 28 mounes qui ministrent dans Port-au-Prince a décidé aujourd'hui à qui ça peut faire dans Maniche? C'est déjà un échec. Ils peuvent avoir une pensée stratégique. Mais les boutons sur lesquels il faut presser sont tributaires du prépositionnement organisationnel de l'État. C'est mon qui casèque là. Oui, mais c'est quand l'État fonctionnel, les mêmes. Mais c'est justement, c'est là pourquoi je viens avec les enseignements de nos malheurs. Voilà que nous avons quoi? Nous avons moyen. Par exemple, je dis, pour nous faire, premier monde qui fait survol des espaces aériens pour contrôler qui s'est passé vraiment sous terre, ce sont des étrangers. Alors que nous avons plus de 48 appareils volants au corps d'aviation. Est-ce que nous pas un peuple qui vit une catastrophe permanente? Mais plus que catastrophe là, c'est gens nous comprennent pouvoir, qui gens nous organiser fonctionnement pouvoir. Pouvoir veut dire pour un peu le monde privilège. Ça veut dire que si je député, je sénateur, moi ministre, moi directeur général, je suis une belle machine. Bien, puis le monde qui peut aller plus loin, on peut avoir tel privilège. Mais responsabilité qui est liée à fonctionner, grand puis le monde qui ne peut même connaître qui ça lui-même. Qui ne peut même connaître problème qui gagne. Par exemple, moi-même, le ministre, mais l'homme paraît le ministère,
de temps m'a perdu pour me résoudre une série de problèmes qui pas doit exister. Me saisi, me pas penser que l'État est capable d'arriver aussi bas. Mm-hmm. Et avec ou gain droit avec toute potentialité, toute bonne volonté, toute capacité de gain et pour rentrer en, dans l'état où pas capable fonctionner pour qui ça parce que et l'organisation qui est mise en place est viciée à la base. C'est-à-dire que tu n'as pas les bonnes personnes aux bonnes places. Donc les pour faire apparaître ça fonctionner, pas capable même sur une bonne volonté, même sur qu'on est. Mm-hmm. Donc c'est toute identification ça pour nous faire et pour nous être capable comprendre qui ça l'état est. Mm-hmm. Par exemple, moi-même, l'homme pour rentrer à l'académie militaire, bah, premièrement, l'académie militaire n'a pas existé. Donc, il n'est pas capable de passer dans l'imagination d'un jeune qu'il était capable de rentrer à l'école militaire. Parce qu'il n'a pas même existé. Même. Mais l'homme pour venir comprendre, dès qu'il est arrivé major, l'homme qui était venu rire pour moi à l'académie militaire, c'est dans forcé. Pour dire, mais comment vous fait arriver à mettre le nom sur liste comme ça? Il dit, mais depuis le 6e, l'État a suivi notre école. Il a suivi, depuis le 6e, il a suivi. Alors, je dois poser une question sur ce dit. Peut-être auditeur qui a si me dit ça. Je dois dire, de qui côté vous avez fait l'école, vous avez fait étude ça? À l'étranger ou bien ici que l'État a suivi? Ici? Ah ben justement, je connais la réponse. Mais s'il faut comparer ce qui se passe aujourd'hui à ce qui se passait avant, il y a 40 ans, 50 ans, c'est comme si que son c'est pas même une montagne de différence. Son mode. Là, on parle de même que son banc de l'école primaire et que l'État a suivi. Non, il y a un lycée François Duvalier de Pétionville. Ah, et c'était le cas pour presque tous les lycées de la République. François Duvalier était un sous-bureau, régis, régularité, tout petit monde assez souvent qui sorti de souche même. Par exemple, nous sortis dans la famille. Mais qui a eu le temps pour le lire? Parce qu'il n'avait pas que ça. Ah, et bien, c'était une stratégie mise en place par l'État. Le vin chercher mon mal dans le réfectoire pour manger tout et chaque midi. C'est bon matin qu'on s'est dit, bon, il me l'a eu pour parler dans le réfectoire, non? C'est parce que vous connaissez que depuis à l'âge de 6 ans, m'a sorti frère pour monter à pied pour mal. Et l'école. Aller-retour. Donc, depuis l'âge de 6 ans, m'a fait 12 km à pied par jour pour pouvoir aller à l'école. Non, mais est-ce que le contrôle là, c'est pas un contrôle qui est fait de façon systématique et qui a un rapport à politique pays, à système politique d'alors, qui était par exemple à veiller Kamoukin, veiller pour est-ce pas des velléités d'opposants de Kamoukin. Je t'ai fait ça tout, mais je t'ai fait l'autre bagaille tout. Parce que j'étais sur une liste qui était répertoriée, on a fait de 727 timoun que je t'ai suivi sur tout le territoire. Et sur lesquels je t'ai gagné, je commençais à suivre les timoun à partir de certaines régularités, résultats. Et je t'ai suivi tout le timoun qui n'a pas qu'à bailler résultat pour déterminer pour qui ça. Par exemple, mon grand pile camarade, moi, c'est grand goût qui fait pas qu'à continuer l'école. Qui perdu l'école. Yo te mené enquête sur ça pour connait. Pour que ça ti moun qui saute dans zone ça yo, pas jamais rivé passer baccalauréat. Yo te enquêté sur question ça yo et yo te porté réponse. C'est ça pour aller expliquer mon jour, yo dit OK, il me l'a rébu, vous devez aller au réfectoire. Mm-hmm. Et c'est parce que yo te ouais que m'étais toujours passé journée l'homme et l'école a fini à 11h jusqu'à 2h, il était sur place Saint-Pierre. Là, on parle de nous sur François Duvalier. Oui. Sur François Duvalier, est-ce que tu as une certaine continuité sur Jean-Claude Duvalier? Oui. Oui. Et tout ça, tout acquis ça, pour disparaître avec bon. Départ Jean-Claude Duvalier? Bon, ça veut dire que il y a une irruption qui fait sur la scène politique, il y a un peu de monde qui vient paraître, parce qu'en Haïti, nos spécialistes ne qui ça pour nous graser. Mm-hmm. Parce que nous, ça n'a pas marché trop bien, il faut le craser. Ça nous faut pour craser nous. D'ailleurs, craser va difficile. Mm-hmm. Nous entendons rapidement nous craser. Maintenant, pour remplacer par quoi? Parce que si je crase un bagage, son bagage n'est pas bon. Je travaille pour remplacer par un bagage qui est meilleur. C'est plus de 25 ans après, quand pile monde qui était œuvré pour craser la main, ils ont c'est une mauvaise décision. Maintenant, parce que notre tête, c'est pas rien. Depuis que prend ZAM, on mettait dans mon aigle. Parce que notre tête, l'armée a été voulée 10 ZAM. Mm-hmm. Il était même pour mettre tête, il était dit l'armée a son l'armée écrasée. OK.
Donc yo pral fon l'armée qui pa craser zo. Jodi a l'armée pa craser zo, on a vu expérience li. N'a pas vu expérience li parce que moun ki te fait ça ou t'a mené yo pa konn ki sa lié. Et puis le pou yo refait li yo pa ka fèl et pou yo solutionner problème non. Yo prend la solution apparemment facile, yo fait les étrangers vini. Alors que son principe de base ou pas fait pour jamais rentrer des militaires étrangers en dans infrastructure nationale. Parce que ça définit militaire par rapport de un pays par rapport à l'autre pays, c'est la relation d'ennemi. C'est rapport entre un pays et un autre pays, l'autre prend sous l'angle militaire, c'est une étude d'ennemi. Parce que intérêt pays ça pas forcément intérêt pays par où. Mais on dit tout que colonel dans esprit haïtien, c'est un président qui a décidé de craser l'armée. Or, pour ça, l'armée a été représentée, un président n'est pas capable de craser. Il a fallu la complicité de l'étranger pour le craser. Est-ce que ça a au même. Non, craser l'armée a son processus qui est extrêmement long. D'ailleurs, sous l'armée dans l'œil du cyclone qui est sorti en 1994, qui est sorti quelques environ moins d'une année avant l'armée à craser, côté m'te produit une analyse qui te dit l'armée a craser et même pour qui ça? L'armée pas craser au hasard ni parce que on monde le matin il dit qu'elle craser l'armée. Non. Non. C'est une série de erreurs stratégiques qui t'est conservé d'ailleurs dans un discours que j'ai prononcé devant le Inter-American Board of Defense le 15 octobre 1986. Moi, je te dis ça de manière très claire. Que gain de bagage si vous pas fait dans l'armée, irrémédiablement, l'institution a cassé. Parce que, après 1986, il y a quelque chose qui a changé dans le paysage haïtien. Par exemple, je faisais partie avec le général Cédras. Alors, on était major. Cédras, Silva, Guy François, Georges Valsin, moi-même. Nous faisions partie de la commission qui avait réadapté les règlements généraux de l'armée par rapport à la constitution de 1987. Donc, il travaille ça, il fait nous, l'un a fait le vin, que il y a une réadaptation qui peut faire dans l'armée. Au point que nous disons la première décision qu'il fallait prendre, il fallait prendre des décisions stratégiques pour séparer la police de l'armée. Parce que c'est deux fonctions qui sont pas mélangeables. Colonel Rebu, nous prenons pause là. Nous retournons. Déjà? Oui. Nous retournons, nous avons remis avec vous l'assassinat du président Jovenel Moïse. Nous avons retourné sous lit. Est-ce que vous pensez que qu'il y a une justice qu'à prendre? Nous t'apprenons, nous retournons sous texte loi. Avec plaisir. Opportunité dans malheur. Qui gagne nous. Alors que nous connaissons un pile malheur. Puis plus près de nous, on prend 12 janvier 2010. Et il y a un pile monde qui était estimé que c'était des occasions, des opportunités une à saisir. Opportunité. Il n'existe pas de malheur qui n'amène avec des opportunités. Au contraire, malheur, c'est une piste de leçon pour nous connaître qui est, pour nous comporter, nous, pour nous pas refaire, même gens, pour nous pas refaire face à même problème. Ça. En tout cas, moi, je devine plus mal après 12 janvier. Donc, on va expliquer nous ça dans notre texte. Non? Et puis, qui ça encore? Les perspectives. Qui ça nous considérer comme malheur? Est-ce que toute catastrophe, vous voulez dire malheur? Est-ce que nous avons considéré Mathieu? Est-ce que nous avons considéré choléra que nous avons gagné après 12 janvier? Comment nous capable de considérer l'assassinat du président comme une opportunité aussi? Et même nous capable aller 14 août qui se passait là. Maintenant, est-ce que ça t'a dit que si autant de colonel qui fait des cryptages là pour nous, qui ouais opportunité dans sac présenté, est-ce que ça veut dire que nous avons sorti tête nous en bas de l'eau et bientôt? Ne pas louer ça tout de suite quand on est. Avec plaisir. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est le colonel Imler Rebu qui est avec nous ce matin, ce lundi 30 août. Oui, colonel, on a les. Je me souviens, le, il a été assassiné, président, au Pat en Haïti.
Non, je suis parti depuis le 17 mai, malheureusement, je suis allé. C'est pas dans la réunion, tu allé parce que vous avez des activités de réunion. Non, je suis allé avec le personnel qui normalement était fait pour le durer 15 jours. Et puis il est arrivé de petits problèmes en petits problèmes. Au contraire, je suis rentré jour le 7 dans le matin. Machine m'a pris un trial, je suis arrivé à Bani. Le bon signal, il dit que gros problème dans la suspension arrière. Retourner dans le garage là. Et puis je retourne dans le garage là. Et puis on a gardé la voie, le véhicule 6 jours en plus. Donc c'est l'homme qui quitte la machine dans le garage là, je retourne dans l'hôtel là. Et puis au cours de la nuit, et après il m'a dit mais ça va passer. Même ce jour, tu as une intervention fait là, parce que nous avons recueilli des points de vue d'experts. Par rapport à mode opératoire, ça qui passe, hein, et façon que le fait, là, tout ça. Oui, nous t'ai parlé, effectivement. Et puis, il y a une réaction que tu fais par rapport à des gens qui a fait des déclarations en veux-tu, en voilà, à n'importe pièce, tout ça, où tu as dénoncé ça. Mais, je ne peux pas comprendre. Comment vous voulez comprendre? Nous avons une situation qui est de nature criminelle. Et puis, on a parlé de toutes les directions sur ça. Bien sûr, tout le monde a des opinions. Mais une affaire criminelle reste une affaire criminelle. On ne peut pas parler de crime avec autant d'aisance. Par exemple, il y a des analyses où il faut poser des questions. Mais comment on fait capable de arriver avec le président? Mais des fois, on peut se arriver à citer nos mondes même. Moi, j'entends des mondes qui, carrément, dans des prises de parole publiques, citer nos deux mondes. C'est quand il y a attribuer moun sa yo une participation potentielle dans ça qui passe. C'est des moun qui sont en position officielle presque. Et de bay d'une extrême gravité. Et bah, par exemple, un dernier épisode nous sommes vivre pour ce maintenant. Suivant ça me comprendre, le dossier a été transmis au cabinet d'instruction. Et puis moi j'attendais au ministre qui a pris tête moun après pour chercher moun dans casa. Alors que une fois que le dossier. Bon, d'ailleurs, il y a des autorités pour intervenir dans les cas d'enquête. Et en Haïti, autorité a le DCPJ, point. Personne, mais personne, aucun autre monde n'a pas de droit, aucun rapport, aucune opinion, surtout si c'est des officiels, si son enquête qui est en cours. Parce qu'il y a une structure qui l'a pour faire ça. Et encore moins si dossier est dans le cabinet d'instruction. Mais si dossier est dans le cabinet d'instruction, seul monde qui a vu. Cap juger de toute décision, monde pour le relayer, monde pour le parler, monde pour le laguer, monde pour le. C'est le juge d'instruction. Personne n'a pas dit un rien sous lui encore. Mais comme si, maître colonel, vous pensez que Haïtien n'a pas contre ça? Vous pensez que n'a pas contre ça? Vous pensez que c'est pas parce que c'est Jovenel qui a été déjà fait détruire en termes de caractère? Au contraire, justement, monde qui a fait ça devient automatiquement des suspects. Parce que c'est des gens qui ont joué sur l'opinion publique là pour voir l'esprit moun yo dans une direction. Mais dans la question pourquoi? Par exemple, moi-même, j'ai fait plus d'une cinquantaine de procès dans RIM, dont environ 30 à 35 qui sont liés à des crimes. Mais un crime, là, pour remonter filier un crime, son bail qui d'une telle sensibilité pour arriver à la manifestation de la vérité. Son bail d'une extrême sensibilité. Mais est-ce que le pas plus grave, colonel, lorsque c'est des officiels qui ont violé les principes, qui ont violé les normes, qui ont l'impression qu'ils ont envie de conclure l'enquête là, pour qu'on ne pas yo, lorsque c'est des organismes de défense des droits humains tout, qui ont peur. Mais ils n'ont pas le droit. Ils ont arrivé à des constats. Mais ils n'ont pas conclu ce constat. Ils ont arrivé à des faits. Par exemple, à telle heure, il y a tel monde qui était qu'à tel côté. C'est un fait. Qu'on y a, c'est juste d'instruction pour chercher véracité. Fait d'abord. Ensuite, le pourquoi de ce fait. Ou pas qu'à conclure. Ou pas qu'à instruire. Ou recueillir des informations qui pourraient le faire ce qu'on appelle le panier à l'insal de l'enquête. Et c'est juge d'instruction qui peut mettre valeur sur chaque information et qui peut connaître les gens pour utiliser l'information, ça ou pas. Et l'intervention, encore plus gravement, quand ce sont des officiels, premier réflexe pour mon normal, si un officiel a parlé son bagage qui est de nature criminelle,
quelque part derrière tête li, li gen un bagage li connaît et le gon bagage l'envie fait pour voyer l'esprit moun dans telle direction et non dans telle direction. Moun envie nous suspect automatiquement. Mm-hmm. Son moun pour juge d'instruction ta rele pour mander ou faire telle déclaration. D'abord, à partir de qui sont faites déclaration. Maintenant, est-ce que Colonel Rebu, nous en Haïti, est-ce qu'on croit que Jovenel Moïse a besoin de justice? J'ai de gros doutes. J'ai de gros doutes parce que une pile falsification qui fait au départ sur la première source de renseignement, c'est la scène du crime. Une pile bagaille qui falsifiait. Et qui moun, qui premier moun qui t'a en contact avec cadavre là côté terre, qui t'a en espace physique là. Moun qui t'a fait pour là et dans qui temps? Moun qui t'a fait pour là, c'est commissaire du gouvernement assisté des techniciens de la DCPJ. Aux premières heures, aux premières minutes, est-ce que ça t'est fait? Si ça pas fait, pour qui ça? Combien de temps après vous venez? Lorsqu'il y a une scène de crime pendant 6, 7, 8 heures, il y a un pile de bagailles, un pile d'indices qui sont forcément déplacés. Maintenant, qui est le monde qui était là? Qui était là? Qui était en dedans? C'est le premier monde qui capte exactement qui s'alte, ouais, qui s'alte, tendez. Il est capable même de mélanger opinion là-dedans. C'est le juge-là qui prend le qui valeur opinion ça gain et pour qui ça opinion ça vient. Donc, il y a un pile de bagailles qui est vicié. Rapport d'autopsie, déplacer cadavre, sortir là, aller là, qui ça fait? Parce que un cadavre pas un bagage qui parle comme ça. Cadavre la parler. Position cadavre là sous scène du crime là, son message lui parler. Qui ça passé sous scène crime là? Qui tiroir t'es ouvert? Qui bagage qui fait? Ce sont des éléments parlants. Est-ce que nous avons bien recueilli tout ça? Il y a une campagne, campagne politique, son campagne politique liée, qui a parlé de monde qui n'était pas là. Bon, moi-même, moi j'étais en République Dominicaine, président pas de mourir, je suis une image, le monsieur Tab dit c'est DEA, etc., je suis une image là sur le téléphone. Là. Donc, pas oublier que qu'on y a un bon phénomène, les réseaux sociaux qui marchent très vite et qui ont le pouvoir de faire moun gen des opinions qui totalement viciées ou bien manipulées son pil domaine. Donc, son bail d'une extrême délicatesse. Donc, aucun doute. J'ai des doutes. J'ai des doutes. C'est même, pas que même si que c'est pas que justice pas cabrane. C'est pas que justice pas cabrane. Parce que mécanique pour rendre justice ça pas difficile. Par exemple, ou bien l'intrusion de certaines structures étrangères qui rentrent dans l'enquête là. Est-ce que vous êtes toujours rentré suivant? Vous n'êtes pas capable d'entrer, non? Mais il y a des normes. Est-ce que les normes sont respectées? Il y a des témoins qui déplacent, des témoins clés qui déplacent. Qui déplacent de la scène d'Haïti à l'étranger. Par exemple, un monde qui était là, par exemple, dans le cas de la femme du président. Même côté où il a déplacé le Kaila pour mener le cadoctère, structure d'enquête qui fait pour camper en permanence, pour contrôler qui qualité moun qui a parlé avec. Et de qui ça a parlé. Parce que c'est un témoin clé. Est-ce que ça fait. Même pas sur la dit que c'était pas parce que le témoin, c'est à vous. Bali ont certaines protections tout parce que j'ai qu'à achever. Mais justement, c'est d'abord, justement, ils ont fait pour protéger parce que son moun lié. Parce qu'il était menacé, mais parce qu'il était sous scène criminelle. C'est le premier monde qui est capable de tout ça passer. Et il y a des gens qui ont des intérêts pour retirer la ville, pour ne pas parler saleté, tant de saleté. Donc, la sécurité de cette personne-là, son bagage qui est fait pour commencer depuis les premiers instants et qui ne peut pas jamais relâcher. Mais là encore, colonel. Des agents de DCPJ qui l'a. Même s'il veut le déplacer à l'étranger, faut que DCPJ accompagne. Là encore, colonel, excusez-moi si je m'interromps. Là, on va parler de un pays qui est organisé, un pays côté. Un pays organisé, même si il a tué le président de l'autre côté, mais il était fait beaucoup plus avec beaucoup plus de difficultés que je ne fais là. Parce que j'aime moi écrit dans le texte, ou colonel,
Est-ce que vous pouvez imaginer un commando entrer à tuer un président avec une telle violence dans la chambre de la Kaili? Pas gen yon moun, yon lot moun ki blessé, pas gen yon lot moun ki pas gen d'autres morts. C'est ça, m'dou. Plus ma pensée à ça qui passe là, c'est plus min sceptique. Comment nous capable considérer par exemple ça qui passe là comme une opportunité? La m'nan tek soye? Nous n'en opportunité. Premièrement, ça qui passe là, pour moi, suivant tout suivi qu'on est capable de faire par rapport à vécu président, à gestion président, il n'y a pas un accident. Personne n'est capable de prévoir ça, de faire. Personne n'est pas capable. Et il y a un signal qui est extrêmement important, c'est la violence à laquelle il a été exécuté. C'est un message. Un professionnel n'a pas besoin de faire toute violence à son monde pour l'éliminer. Un professionnel, un monde qui est un commando professionnel, pas besoin de faire toute violence ça pour éliminer les gens. Donc ça veut dire, on vient rejoindre les gens qui dit que ce n'est pas les membres du commando. C'est la manifestation d'une émotion personnelle. Et j'ai une conviction que les gens qui exécutent les présidents ont des relations émotionnelles entre deux personnes. Donc là, il y a plus de chance que c'est là, effectivement les Haïtiens qui font. Parce que techniquement, ce n'est pas nécessaire. Techniquement pas nécessaire pour éliminer le monde ou gon zam nan mon ou gen deux cartouches youn nan kèl youn nan thorax li et dernier nan tête là c'est pour capsule que moun sa pa jan me lever encore donc ou pas besoin mais si cribler moun avec balle il y a une rage dans l'exécution il y a un mélange de fait et d'émotion. Ça m'a convaincu et qui pas gagné pour lui avec la politique. Je ne peux pas dire pour qui ça. Il y a une émotion. Maintenant, c'est le juge là qui va déterminer quelle en serait la source. Par exemple, il y a deux commandos colombiens qui sont en Colombie. Premièrement, comment un monde fait sortir dans le pays, il rentre dans l'autre pays avec des intentions criminelles, il séjourne dans le pays pendant combien de temps il joue à faire mercenaire rentrer, pas faire mercenaire rentrer. C'est l'État, oui. Et moun ki président lui-même. Bon, beaucoup de gens ne comprennent pas. D'ailleurs, le président, suivant tout ça, n'attendait, n'a pas été pris par surprise. Il a eu le temps d'appeler des gens. Il se sentait menacé au point qu'il dépassait plusieurs jours, pas de descendre dans le bureau. Si un président sent-il qu'il y a des menaces sous lui, il y a des services qu'il a pour traiter ça. Bah, il n'a pas capable de traiter jusqu'à ce qu'il arrive sous le président. Maintenant, on prend sur la scène du crime. Les menaces à venir, président, des menaces, il n'y a pas capable de tirer beaucoup de cas au président. Pour parler de gens qui contrôlent tout de suite qui s'agit. Jusqu'à ce que beaucoup de gens comprennent le phénomène, rentrer dans le cas là. C'est possible. Rentrer en dans le chambre président, je comprends. Bon, pire. Bon, je ne comprends pas comment, avec toute menace, le président en dans la chambre, pour y arriver, tuer lui-même, il n'a pas blessé personne. Donc, ça, le président en dans toute menace, il n'a pas un bout de couteau en dans la chambre de bon côté. Il n'a pas un chien dressé devant la porte de chambre, que personne n'a pas rentré, sous rentrer avec une intention hostile. Mais, il n'a pas capable. Qui j'en comprends le rôle, Dimitri Hérard, colonel? Bon, c'était un héros le 7 février. Walt Dimitri Hérard, moi qui comprends, suivant des rapports publics que je lis, il dit que il reçoit un message du président, il monte. Lorsqu'il prend rentrer par être dans beaucoup de PDR5, des hommes armés obligés et au repli. C'est ça l'écrit. Quand il a replié, il a campé beaucoup côté. Kazen Pétionville, Bokot Kinam, et puis ils font barrage, ce qui est tactiquement compréhensible. Pour si vous êtes pour replier là, et puis c'est ça, effectivement, bien fait, vous venez replier là, c'est les saillants attaqués, vous avez un ladan qui mourit, vous avez un qui parti en fuite, etc. Quand je relis son rapport. Mais qui ça qui attire l'attention dans le rapport, c'est que le président communiquait avec ses troupes par téléphone. Comment un système de sécurité présidentielle capable d'opérer sous des circuits de communication communs.
Non seulement le président fait pour le bon circuit de communication qui est lié à la sécurité personnellement, et cette communication doit être cryptée. C'est une communication militaire. La communication militaire, ce n'est pas communication, je parle avant, je parle là, je comprends, je dis son l'autre, je attendais la comprendre. C'est ça fait. C'est avec son science liée, crypter et décrypter les messages. Son science liée, tout le monde connaît. Bon, pas comme dit mon président de la République, et puis qu'on y a la communication liée à votre sécurité à passer par téléphone. Bon, si le téléphone est tombé, ça a habitué à faire tout le temps. Si pas de on pas de signal. Est-ce que vous contrôlez la structure de transmission et compagnie ça? Non. Donc là, si vous me retournez avec une question encore, colonel, assassinat ça, nous pas qu'à servir de lui comme opportunité, mais nous qu'à servir de lui comme leçon. C'est une opportunité, il y a des opportunités. Ça apprend nous que ou pas qu'à un président de la République qui est capable de briter n'importe quoi de le vrai. Parce que dès lors que tu deviens président, ou pas un monde normal encore, ou son monde, ou son propriété de la nation. Et la nation a deux voix pour organiser la sécurité aux gens, ça a fait pour le faire techniquement. Même de quand on est colonel, de quand on est président Préval, chapé dans mes gardes sécurité, le point machiné, le courir. C'est une tendance humaine, naturelle. Président Duval était contre tout. Parce que le monde président, son équipe prisonnier à 80%, oui. Il n'est pas libre de qui ça va manger, il n'est pas libre de côté l'abdomen, il n'est pas libre de aller dans la fête livrée. Le vle, j'en vle, président qui a décidé de parler dans telle fête, et puis moi-même, il est responsable de sécurité, il dit président négatif. Ou pas cap sorti. Il va prévoir qu'on voulait ça. Ah, s'ils sont bons présidents, il va pour le moment des explications. Et moi-même, je fais pour me baler explication que je cap baler. Parce que mon responsable de sécurité, président, pas obligé de dire président tout bagaille. Conseil de bail, c'est lui pour absorber, c'est lui pour gérer, c'est sa responsabilité. Moi qui est responsable de sécurité, président, sont moi qui fait pour dormir au moins quand on chatte. Est-ce qu'on ne peut pas penser que ça qui passait le 7 juillet est capable de donner lieu à d'autres assassinats de président en Haïti? Au contraire, il fait pour empêcher sa fête. Par exemple, moi, je dis à mon bataille, mon pile monde, chèque ça, moi, bon, quand le président a voulu dire chaud, moi, son chèque, j'en fais. Et vous avez l'impression que les gens qui ont pu y aller chita sous lui ou pas qu'on est, qui j'en, c'est comme ça, il y a une forme de conscience qui habite nous, on ne peut pas comprendre. Imaginez le volume de responsabilité qui est là pour sécuriser un président après le bagage qui finit passer là. Nettoyage ou rien pour faire, parce que le président n'a pas été. Il y a quelqu'un qui a dit, et c'est vrai, le président a été livré. Mais qui s'acterait dans l'entourage qui permet que le décap livré? C'est ça fait dans le texte, j'ai dit que le président était un mal-aimé. Parce que, ou pas de personne monde dans la crise qui a un témoignage d'amour pour le président. Ou pas relevé un monde qui a gagné une attitude. À part, suivant ça, m'attendez, M. Parizon, qui était fait deux mouvements quand même pour arriver. Et sous scène crime là. Bon, pas qu'un personne moun. Tout le monde sait que vous m'avez capable de président mou, ok, chaque monde a pour qui m'a positionné tête yo. Même c'est ça, moi. M'pas ouais, m'avez capable de des gestes qui dit que y'a des mouns qui sentent qu'ils étaient responsables. M'pas qu'un sentiment ça. Des mouns ouais qui ouais même dans vieux yo affligé parce que y'a des responsabilités qui étaient mal gérées qui fait ça arriver là. Ou pas de sentiment ça. Donc il est passé. Ça passait. C'est quand le président mourit. Ok, je suis d'accord, il mourit net. C'est quand le monde dit justice, etc. Mais bagaille qui pour faire arriver à une justice saine et équilibrée. Ça, c'est pas vous monter dans l'accuser. Je n'ai pas aucun signal. Nous avons 5 minutes, colonel, malheureusement, pour nous finir. Nous pouvons commencer maintenant. On a les sous-questions, puisque nous avons parlé de nos malheurs. 14 août. Et que ce passé là, on dit, même si tout pays n'a pas frappé, mais tout pays a été en bas, lorsque vous commencez à apprendre que la péninsule secouée par un tremblement de terre et que nous avons acheminé vers plus de 2000 morts. C'est vrai que dans l'immédiat, nous n'avons pas réalisé l'ampleur de la catastrophe là. 2010, c'était une opportunité, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Qui s'albat nous comme résultat, sinon que construction qui refait
dans les mêmes conditions, mêmes gens, en dehors des normes, des normes de construction. Et moi, les cailles qui construisent après le 12 janvier, c'est des bagages extraordinaires en termes de menaces et de risques pour les gens qui vivent là-dedans et les gens qui ont l'environnement immédiat à la construction. Ça. Mais quand là, nous sommes pour un deuxième encore, et un pile monde. En pile moun mouri, en pile qui a construit, en pile moun qui était capable d'utiliser le pays encore, je dis mouri. Est-ce que, colonel, ouais, si nous pas profiter de l'opportunité 2010 là, qui est capable de faire, je dis, nous profiter de l'opportunité 2021? Bon, que bon Dieu fait nous vivre brusquement raisonnable. Par exemple, quand cette affaire est arrivée le 12 janvier 2010, nous sommes en réunion sous la Cour suprême, non? Tremblement de terre, nous sommes évacués de sa côté, nous sommes moins compte que nous avons plus de 3000 personnes sur les bras. Brusquement, nous sommes moins compte que nous avons 3000 personnes dans la cour qui viennent réfugier. Là, nous sommes en 2010. 2010. Il y avait mes deux filles, Stéphane et Dominique, qui étaient là. Nous passions l'instruction parce que la première chose qu'il y avait à faire, c'était de secourir les blessés. Moins faire. Bon, plus ou moins connaît deux, trois petits bails dans sa tonne là, mais que par métier, nous composons l'éducation physique. Et bien de côté, nous replacer des os, mettre des à terre, et commencer à faire pansement, etc. La première chose que je fais, mon réflexe, je finis de passer les premières instructions pour les interventions immédiates, et puis je bâti à pied. Qui va m'aller mal dans la caserne. Dans la tête, c'est dans la caserne, je vais aller. C'est un désastre, donc je vais chercher des militaires pour venir au secours. Et puis je l'aime pas devant moi, moi c'est pas une caserne, c'est ton poste police, et qui lui-même qui crase tout. Mm-hmm. Là, nous devons attendre toi. Nous devons attendre toi. Donc je vais ce chemin, qu'on vais aller mal prendre charge. Mais 12 heures après, nous avons gagné, répertorié, quelle quantité de monde là, combien de familles, quelle quantité de monde dans chaque famille, et nous avons mis des piquettes pour localiser aux positions côté si j'ai besoin de former ça pour me venir. Et c'est à travers la population qui était là, nous montons un comité qui a 40 jeunes femmes avec jeunes garçons, qui pourraient faire gestion et qui pourraient permettre, jeudi matin, je présenter dans le DCPJ côté président préval des réfugiés, pour mal dire, voilà les problèmes auxquels nous allons être confrontés, mais qui ça me fait faire dans CPM, parce que lors d'un désastre comme ça, si on ne fait pas un travail d'identification immédiat, identification humaine et spatiale, ou bien pour traîner avec Baïsa sur les bois, pas jamais qu'après résoudre. Parce que quand on prend quelqu'un, faux victime qui prend le mélange avec vraie victime. Lorsque vous une victime dans un bar ou par contre côté lié, ça demande une organisation initiale au départ. Sinon, on ne peut jamais gérer la réalité question. En fait, on a grand pile de difficultés. Après, j'ai publié dans le bal des vautours, parce que il est très clair que depuis le désastre arrivé, nous te connaissons plus le monde qui peut profiter, chercher profiter de ça. Mm-hmm. Mais qu'on livre le bal des vautours. Côté nous dit attention mais ça arrivé. Et mais qui gens pour aborder des questions. Écoutez là, colonel. Écoutez là. Bon, ça veut dire que qui premier constat nous fait. Nous entendons que mon yab dit aide pas qu'abrivé. Dans la section communale. Mais c'est normal que l'aide n'est pas capable dans la section communale. Est-ce que tu as un prépositionnement sur le plan humain et sur le plan matériel? Par exemple, il y a un conseil de monde qui a organisé dans le tissu social, par exemple les églises, que ce soit protestant, que ce soit catholique, que ce soit vaudou. Il y a une sorte d'organisation spatiale qui met les gens en contact l'un à l'autre. Est-ce que l'État a une référence à eux? Est-ce que l'État est représentant légitime? C'est là même que c'est une occasion pour nous reformater le leadership local. Je ne sais pas si pays, si pour mon magistrat, Kazek, Azek, député, sénateur ou même président, c'est avec Bandi pour gagner contact. Parce que Bandi n'a pas de référentiel pour prendre des décisions pour gérer l'État. C'est notre cas, malheureusement. C'est une occasion pour redéfinir le leadership local là. Comment? Que pile monde ou connaît que l'opre diaspora c'est dans diaspora ou point comme un monde attaché à côté ou fait pas à côté ou hérité à et ben ou que pile monde ça qui dans diaspora ou que pile monde ça qui n'importe au prince qui des fois pas de travail pas fin mais qui ont acquis des savoirs et même des savoir-faire
Donc c'est un moment, c'est ça que je t'ai proposé dans le texte que j'ai sorti là, pour nous dire pour définir le leadership local là, c'est mettre les gens au travail avec des moyens de l'État, non forme de compétition pour être qui commune, qui section communale qui a fait plus bien. En deux crises, nous y là. C'est là qu'on va découvrir les gens qui bon plombier, bon ingénieur, bon architecte, etc. Par exemple, nous avons pile parler de feuilletol pour le mettre. Même parlant pile avec ingénieur Osmond Pradel, qui a une expérience sur une certaine forme de construction antisismique. C'est de bagaille pour nous approfondir. Parce que ça, nous oublie. Béton est venu rentrer dans l'histoire de construction en Haïti. C'est sous l'effet des effets des cyclones Azel et Flora, etc., qui étaient passés. Il était ouais, faut qu'ils changent et forme habitat. Mais nous pas comme je vous dis à nous devant. Et m'a dit, heureusement, vous gagnez deux phénomènes successifs. Tremblement de terre fait passer crasé habitat. Et puis Grèce qui vient nous rentrer après, qui vient nous rappeler nous que gain cyclone, gain de l'eau tout, gain la pluie. Maintenant. Qu'est-ce qu'il faut tenir compte de ces facteurs? Gain du feu tout. Voilà, pour redéfinir. Par exemple, nous avons suivi et personne dernièrement. Alors, nous là, oui. Nous décidons de gens qui connaissent ça pour faire, nous ne pouvons pas parler avec eux. J'ai suivi l'intervention de Gaël Pinson à Le Point. Mais comment tu as compris nos pays ou pas prépositionné pour résoudre le problème de destruction par le feu? C'est que si on a du feu là, c'est les gens qui ont cherché beaucoup de gens qui ont pris qui jeune ou préparé au premier secours. Par exemple, dans l'accident passé là. Mais les premiers médecins, ce sont les secouristes naturels. Qui information sur comment il y a un monde qui est traumatisé. Nous pas fait ça. Donc, nous pas préparé pour bagay ça. Et comme justement, les faits viennent montrer nous côté nous, on a accepté tranquillement pour nous faire ça, nous pour nous faire agence ça fait pour le fait. Ou pas comme nos pays ou admettre que vous passez Matissan, faut aller chita pour parler avec deux trois nègres qui des illégaux capturer moun qui rapport on l'état capable bien pour chita la parler avec pour deux moun qui assassiner de l'autre monde dans la société que l'a dirigé. Ça ne fait aucun maintenant sens. Que nous voulons que ça c'est devenu une réalité. Maintenant comment aborder ces questions quand par exemple au niveau du GRE nous avons publié la stratégie d'organisation spatiale de l'État d'Haïti par la Maison du Kazakh. Qu'est-ce que ça veut dire la Maison du Kazakh? C'est une infrastructure physique, organisationnelle et humaine qui a une capacité dans la section rurale là pour répondre à tout ça que l'État a pour le faire pour les citoyens. Depuis la naissance de l'enfant pour le acte de naissance, c'est comme ça qu'on peut comprendre comment Baïonti Moun ou Baptiste est dans le pays. Vin nous nos drames, nos problèmes, nous ne pouvons pas solutionner. Parce que l'État nous a écrasé système organisation spatiale là. Parce que nous avons dit chouquette là où c'est mon qui travaille avec l'armée, c'est l'armée écrasée. Mais nous ne pouvons pas remplacer par un rien qui est meilleur. Donc il faut retourner à cette représentation spatiale, physique. Nous connaissons bagaille qui est l'État, c'est mon problème. D'agriculture, nous avons un problème de santé, nous avons un problème de justice, nous avons un problème bancaire. Et bien, entité que l'État, c'est l'allié. Et physiquement, là, elle a une infrastructure humaine autour de lui, avec propre monde communauté. Parce que l'État d'Haïti, humainement organisé, a un pile d'argent, un pile de richesse. Mais quelque part, nous pas exploiter, nous pas mettre en mouvement. Par exemple, nous prenons la main. Mais est-ce que vous pouvez comprendre que vous avez pris un blocus sur route Kafou et puis l'on met à côté, il n'y a pas de bateau sur lui. Oui, mais vous avez dit que vous pouvez utiliser cette voie alternative ça et puis Bandio, d'où il n'y a pas le fait même balade. Mais Bandio n'a pas existé. Il n'y a pas le fait pirate. Bandio sont création anomalie dans la déstructuration de l'État. Bandio, c'est bon bail qui saute dans le ciel qui tombe. Le pays a beaucoup de problèmes. C'est samedi où il a réfléchi tout, donc vous avez décidé de ne pas passer. Mais l'État, c'est réfléchi avant Bandia. Et c'est réadapter chaque mesure par rapport à sa Bandia qu'a fait. Donc vous comprenez que Bandia vraiment son électron matin levé dans le décès de ce Bandia qu'a fait. Qui ça a été fait? Par exemple, maintenant, il y a parlé de village de Dieu. Bonjour, soit M. Non, Bal et Le Lambi. Mon BMW 525 I que je prends vendredi, mais je l'emballe samedi soir.
dormi prendre devant côté théâtre national là son monde qui passe à 6h du matin frappé dans vite dak dim li jou. Ou te gon ti couleur laisse ça colonel. Bon fatigue. Nous saute dans bar avec madame moi nous saute dans son beaucoup écloré puis nous il veut porter à la dim li pas privé. Nous était là puis dormi tout près nous son monde qui passe à 6h du matin. Yo dit nous soleil levé. Bon côté théâtre national en face du village de Dieu. Bon. Et puis bon, c'est là que me déconne mener petit monde le colonel même zombie ou pas d'accord faire connait là. Le dimanche merci. Soir, al boire crème al bah, et al garder jet d'eau et cetera. Et puis jodi a sous n'est passé là son bravoure. Bon problème. Mais ce n'était pas comme ça. Pourquoi c'est devenu? Il faut repenser le pays, colonel. Et comment justement c'est une occasion parce que connait là. Ça ne passe là. En de crise, ça vient là. En matière de décision liée à la sécurité, nous avons une opportunité que nous ne pouvons pas faire pour nous faire pour nous gagner. Pour arriver à neutraliser le problème, ça. Je ne dis pas résoudre, parce que ça a toujours été dans le tissu social là. Pour arriver à joindre des solutions immédiates et des solutions qu'on peut projeter dans le futur. Colonel Fanfini, merci infiniment pour tes disponible. On a bon, beaucoup nous parlé. Nous n'avons pas été dans le texte, ça, quand tu invité Moun de parler de l'IA, qu'on pile aspect extrêmement important nous pas parler. Mm-hmm. Et peut-être que nous avons fait ça. Vous remarquez que chaque fois qu'on vient là, on retourne sur ce qu'on dit avant. Oui. Donc, on a retourné sur lui. Bon, très, par exemple, nous avons un problème de gouvernance qui là. Nous constatons que le pays a paralysé, tout le monde campé. Il y a une proposition. Au lieu où est-ce mais ça fait pas grand monde qui a l'en parler à l'point agitation. Ah, on ne peut pas faire comme ça. Donc, si ça fait le premier ministre. Non, mais le fauteuil est vide. Ah, eh bien, si ça m'écrit un texte, mais nous t'avons pour nous retirer DL sous fauteuil là. Mais DL sorti sous fauteuil là depuis près de 2 mois, par contre, personne. Non, DL va sortir, sinon nous touillons. Bon, de toute façon, DL va sous fauteuil là. Oui. Qu'il n'y a pas de personne qui compte qu'il y a pour faire pour y agiter sous fauteuil, il y a besoin de retirer. Donc, il n'y a pas de prévoir ça. Ben, donc, nous vont. Non, mais on dit tout que monsieur, on t'est pensé qu'après assassinat, toute population t'a pas levé, acclamé, mais n'est-ce pas parlé? Non. Non, l'on dit ça. Bah, d'accord, avant. L'on dit ça. Ouais, c'est là, parler de la République, là, où dit, monsieur, t'es pensé, après assassinat, depuis que t'es assassinat, t'as pas le fait, population t'a pas levé pour mener au parler. Le coup, pas même grand compte. Entendez des sons, parler national, tête droite. Il y a un pile parole qui a parlé, un pile parole qui a parlé, il faut nous faire attention. Qui va fonder ou les pas les paroles. Donc, ce qui est clair, aujourd'hui, en matière de gouvernance, pas que personne qui a le fait, les faits, moi et demi que nous gagnons, tout le monde était par contre, si pour moi, si pour des gens, dit que nous avons un problème, nous constatons que nous avons un problème, pour nous comment résoudre. Ça a pensé c'est les guérisons. Ça a pensé c'est les guérisons. Et primature et voyez idée sur Acopal. Et groupe société civile voyez. L'autre groupe voyez. Eh bien, pour nous résoudre le problème non. En organisant un symposium avec tout le groupe ça yo. N'a pour tirer idée qui pas bah, et puis n'a font consensus sur ça nous entendons nous et puis nous prend pays à nous recop. Pas un groupe qui a capacité déjà pour imposer volonté. Si vous êtes capable de faire déjà. Mm-hmm. Donc seule solution c'est pour nous chita tout le monde chita bah dans des gens qui dit faut que retire docteur Ariel Henry dans primature mais pas qui mécanisme. La présence du docteur Ariel Henry à la primature c'est un fait. Bah pour qu'on est si qui vient rentrer si nos petits tout porte était passé si ton petit souris était passé c'est un fait. Donc si pour agir mais Abdoutou Claude Joseph c'était un fait aussi. Ah mais c'est un fait disparu. Maintenant pour qui ça fait a été fait l'idée faite. Donc, il faut tenir compte de tous les facteurs pour connaître vraiment qui sont capables de faire et comment on peut faire. Moi, je crois que la première étape à solution à tout problème que nous avons là, c'est pour Yoshida. Et pour Yoshida, docteur Ariel Henry, il met le virus pour le virus. Oui, mais il y a un monde qui est pour Yoshida, il faut qu'Haïti soit au centre des intérêts des acteurs. Bon, il y a obligé de finir par faire parce que il y a un monde qui veut venir président pour nous. D'accord? Par exemple, il y a un monde qui dit qu'il ne faut pas être président. Si vous dites que vous n'avez pas un président, vous avez une question pour vous dire que vous avez tel bagage pour voir qui vous faites dans le pays, il faut que son président pour faire. Qui vont pas le faire, si vous n'avez pas un président. Est-ce que vous avez décidé de comprendre tout pour voir président ou pas un président? On nous finit, colonel. Ça n'est pas intéressant ou même. Qui ça? Un président en transition.
Moi-même, mm-hmm. personnellement, oui. tête mes doigts, oui. Comment? Bon, mon tête chaud, non? Merci, colonel. Bon, mon tête chaud. Merci.